On est sur le food truck Pokawa. Qu'est-ce que vous proposez sur le festival? Alors nous, on fait des poké. On a un restaurant déjà à Clermont. On fait des pokéballs. Donc c'est un bol de riz avec des fruits et légumes et du poisson cru comme le ceviche. Deux boulets papilles. Et qu'est-ce que vous proposez? Nous, on propose principalement du sucré et une variété de salades après qui permet d'avoir une sorte de salé. Mais sinon, c'est principalement que du sucré. On propose des burgers maison à base de Saint-Nectaire et bacon. Des galettes de sarrasin, on est considéré comme une crêperie, donc on fait des galettes de sarrasin maison, 100% sarrasin, et des wraps à base de poulet ou de jambon blanc. Des frites fraîches maison, des wraps, des tartines Saint-Nectaire fondues, des beignets aux fleurs de sureau, des muffins. Alors, on propose de découvrir la fourme, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, mais surtout de la redécouvrir, je dirais, en faisant plein d'associations, plein de présentations. Et pour un peu tout savoir sur ses secrets et sur toutes les associations culinaires qu'on peut faire avec elle. Donc on va proposer des glaces, on va proposer des chips, on va faire des associations sucrées, salées, on va essayer de proposer plein de choses un peu originales pour que chacun un peu teste son goût, voit ce que l'on peut faire, donner des idées aux gens et espérer qu'ils reviennent en Auvergne avec de la fourme dans leur frigo. Du coup, un dernier mot pour l'édition 2021, un mot pour EuropaVox? Merci, parce que du coup, ça fait du bien de revivre et d'avoir des concerts. On n'y croyait plus et franchement, c'est chouette. Que tout le monde soit présent et qu'il y ait pas mal de spectateurs. Du beau temps, aujourd'hui et demain, et puis dimanche, on verra. Enfin, je suis sûr qu'on va passer 3 super jours. Venez nombreux, profitez de la scène, elle est très sympa. En fonction de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le top. Donc venez nous voir et passez un bon moment tous ensemble. Merci beaucoup. Retour de la fête, ouais, c'est pas mal. C'est ça, un chouette moment, le retour de la fête, le retour de l'été, du soleil, parce que voilà, moi c'est ce qui me vient là. Le soulagement de pouvoir refaire des événements, c'est vraiment... Retour à la vie. Exactement, c'est vraiment le soulagement de pouvoir se libérer, de pouvoir en profiter, d'être avec des gens, de revoir la foule, c'est vraiment tout ça, et ça fait super plaisir.